La première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce qu'on se sent un an plus tard? Est-ce qu'on est un peu plus pesant, un peu plus léger? Premièrement, merci pour me poser la question. Deuxièmement, oui, je me sens beaucoup mieux. Okay. Je me sens une personne qui a plus de confiance, plus d'expérience. Ça fait aujourd'hui, oui, ça a fait une différence. Mais je dois te dire que quand je me suis lancé en campagne qui a été demandée par les citoyens de la communauté rurale de Saint-André, au départ, je me suis questionné. Après un moment de réflexion et discussion, ils m'ont dit, Alain, ils ont dit, on te donne pas le choix. Wow! Dans ma vie, moi, j'ai toujours eu des choix. Ça là, quand, tu y vas. Là, tu y vas. Ça fait, j'ai senti ce support-là du début, puis j'ai embarqué. J'ai fait toutes les maisons, ou presque toutes les maisons, et j'ai écouté les citoyens. Puis les résidents m'ont donné des messages que moi-même, j'ai resté surpris parce que je ne pensais pas que la communauté était comme ça. Ouais. Donc, élu, débuté, maire sans expérience de maire, sans expérience de conseiller, embarque dans le bateau, c'est un peu difficile, puis je dois être honnête avec toi, ça a été difficile. Parce qu'il y a eu des accrochages au début, il y a eu des choses que j'aurais pas voulu qu'elles aient arrivé. Probablement que moi, dans ma vie, je pense qu'il n'y a pas d'hasard. Si ça va arriver, ça l'a arrivé, j'ai appris, c'est de l'expérience. J'ai appris de ça. J'ai perdu ma greffière, ça a été Laura, on a réembauché, on a fait une nouvelle équipe. Comment je te dirais ça? Travailler avec mes conseillers et conseillères pour qu'ils puissent me faire confiance. Là, dans mon plan stratégique, là, j'ai pas rien que le niveau développement économique. Là, on a le sport, loisirs, culture, bien sûr. A les jeunes, on a les personnes plus âgées, l'agriculture. Il y a beaucoup de facteurs qui doivent être pris en considération. Le plus important, c'est de garder l'équilibre là-dedans, qui n'est pas facile. Non, parce qu'il y a... Alain Desjardins, il y a une famille aussi. Exactement. Il y a des citoyens qui ont des besoins et des exigences. Il y a des dossiers qui doivent être appris. Oui. Il y a la politique qu'il faut apprendre aussi. Exactement. Tout ça, là, c'est un gros job. Hein? Oui, c'est un gros job, mais je suis content de la faire. Je suis content de la faire pour moi, puis je suis content de la faire pour les résidents de la communauté. Parce que moi, je vois, ça fait un an, mais j'espère qu'on aura la personne, on aura l'opportunité de pouvoir faire la même entrevue après 4 ans. Puis je vais te dire, mon Michel, il va y avoir des changements à Saint-André, c'est certain. Les choses vont se faire, mais il faut prendre le temps de les faire. Voilà. Puis si les choses sont longues, ça demande beaucoup de négociations. Puis je vais remporter encore le mot confiance, mais je dois dire qu'ici, à la communauté rurale de Saint-André, on a une très bonne équipe. On a une très bonne équipe de maintenance. On a des choses. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Voilà. Il s'agit d'être ouvert, puis il s'agit d'être à l'écoute, puis il s'agit de collaborer. Puis j'ai regardé dans le dictionnaire 2 fois le mot collaboration. Puis le mot collaboration, ça dépend comment tu l'interprètes, là. Mais moi, ma collaboration, c'est vraiment du partage, c'est de regarder c'est quoi qu'on peut faire ensemble, qui est pour le bien de la communauté, puis qui est pour des choses qui sont très coûteuses. Voilà. Des choses qu'on peut économiser ensemble. Voilà. On veut te féliciter encore un an plus tard. Puis je sais que c'est pas facile. Non. Mais c'est aussi un beau challenge. Ah, exactement. Un beau défi. Tu l'as. Voilà. C'est vrai, ça. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. T'es fin. Voilà. Merci.